Salut! L'expression « avoir une vie de chien », vous connaissez? Eh ben moi, j'avais la pire qui soit. Une vie avec pour seul horizon... une grille. Bon, ben envoyez les premiers candidats. Madame, je suis là, madame. Je bouge, là. Madame! Il m'a pas vu. Et puis... il est là! C'est celui-là que j'ai vu! Il a une bonne tête, lui! Je dis pas de chien, et quand je dis non, c'est non! Mon nouvel ami allait changer ma vie! Mais avec son père, c'était pas gagné. Qu'est-ce que ça sent? Il s'est roulé dans une crotte. Oui, ben, je suis en première, alors moins vite, c'est la marche arrière. Oui, oh, ça va, mon mari promène son chien. Dans toute cette agitation, j'ai trouvé mon oasis de bonheur. Je te présente Caroline, ta nouvelle copine. Enchantée. Hey, salut, toi. Comment j'ai pu ne pas vous voir? Oh là. Oui, non, pardon, je m'égare un petit peu, là. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais pas prendre de chien. Il veut divorcer. On va pas divorcer, on va déménager. Alors c'est vrai, la vie avec cette nouvelle famille est tout sauf tranquille. Là par exemple, je suis dans un cartable. Oh, c'est ton chien, il a l'air gentil. Qu'est-ce que vous manigancez? Rien, monsieur le directeur. S'il arrête! Mais je suis en train de faire du skateboard. Alors écoute-moi, tu travailles, je travaille. Et pour la dernière fois, je suis un homme comme les autres. Vous allez pas divorcer? Oh, arrête avec ça, écoute, pourquoi on divorcerait? Tu vois bien qu'on s'aime, ta mère et moi. Ça j'aime pas du tout. Tu l'as pas. Pourquoi tu l'as lâché? C'est pas de ma faute. Oh, lâchez-moi. Couchez-vous, ça m'amuse pas. T'as dit non. L'aspirateur, c'est par là. Retour, pile. C'est moi, ça. Tu m'as drôlement bien réussi. J'ai la taille aussi fine. Non. En tout cas, j'espère qu'ils vont me garder. Parce que moi, je les aime déjà. Donc votre fils et votre chien m'ont agressé. Un chien? Ah non, ça, on n'a pas de chien. Je leur ai dit pas de chien à la maison. Et j'ai dû céder.